Bonjour tout le monde et bienvenue sur Old School Game Universe pour un blogspot.fr. Encore une énième vidéo sur les derniers achats du dernier trimestre 2016. Alors on a aujourd'hui du Nintendo et du Sony, donc un jeu 3DS. Et pour le reste, si on a un jeu Mega Drive aussi, mais bon il est caché en dessous. Donc voilà, un jeu 3DS. Et pour le reste, bah, ce sont des jeux anciens, dits rétro. Alors, écoutez, on va commencer par les jeux PS2. Donc on a Magna Carta, donc un JRPG. Alors, je ne le cherchais pas particulièrement, mais quand je l'ai vu, je me suis dit je vais tenter le coup. Et voilà, c'est une série qui est assez appréciée par les fans. Voilà, par contre on m'a dit du bien récemment du deuxième qui était sorti sur Xbox 360. Donc à l'occasion, pourquoi pas essayer de me le procurer. Donc voilà, on va le mettre donc de côté. Ensuite, Dragon Quest, l'Odyssée du Roi Maudit. Donc voilà, certains m'ont dit qu'il était vraiment exceptionnel. Donc c'est... Donc voilà, c'est moi je connais Dragon Quest, j'aimais bien, j'ai déjà joué assez souvent sur les portables de Nintendo, mais... celui-là, je ne le connais pas. Je ne le connais pas du tout. Et bon, bah ça va changer un peu comme ça, juste sur une console de salon. C'est fort sympa, Dragon Quest, bon, on connaît un peu la renommée hein, quand même de la série, donc on peut pas en dire du mal, c'est pas possible quoi. C'est vraiment c'est très très bon RPG, donc on peut pas en dire du mal, c'est pas possible. Donc voilà, bon, à moins qu'on n'aime pas l'univers et aussi le genre du jeu, hein, ça c'est normal. Il y en a qui aiment pas les RPG. Ensuite, on a un shmup, shoot'em up, Raiden 3 sur PS2. Donc voilà, un très bon titre. Donc moi qui suis très très fan des shoot'em up. Donc voilà, quand je l'ai vu, j'ai pas hésité, moi j'ai sauté dessus. Voilà. Ensuite, on a un jeu GameCube. Donc Air Racing, avec donc dedans le disque bonus Pac-Man. Donc voilà, bah, je vais même vous le montrer ça. Voilà. Hop. Donc le jeu il est en très très bon état. La notice est en très bon état aussi. Ils ont quasiment pas de rayures. Voilà. Donc c'est un jeu que je cherchais aussi. J'aime assez bien les jeux de course. Voilà. Et en plus de ça, quelqu'un que je connais me l'a conseillé. Il l'avait fait étant plus jeune. Donc voilà. Un jeu qui devient d'ailleurs assez dur à trouver. Donc je pense qu'il faut compter quand même. J'ai eu pour pas cher, mais bon, il est coté dans les 20 € hein, quand même. Donc voilà, voir un peu plus. Voilà. Il y a des fois on ne trouve pas en dessous de 30 €, ce qui est quand même assez hallucinant, mais pour un jeu de voiture. Donc voilà, on continue avec Nintendo, avec Fire Emblem sur Nintendo 3DS, Fire Emblem Awakening. Donc moi je le cherchais depuis quand même assez longtemps. Et puis donc je suis assez content parce que à l'époque où il est sorti, j'avais pas de 3DS et il y a pas mal de sites qui le vendent à plus de 50 euros.
à plus de 50 euros, voire 60 en neuf, c'est n'importe quoi pour un jeu qui a dû sortir à 40 euros à l'époque. Je l'ai même vu à 70. Non, mais bon, faut arrêter quoi. C'est un bon jeu, mais bon, voilà. Alors, je l'ai eu d'occasion. J'ai eu d'occasion, comme d'hab, j'ai vendu quelques trucs pour avoir ces jeux-là. À part le Pac-Man que j'ai vraiment acheté à quelqu'un. Donc le Fire Emblem dans les. Combien il coûte? Combien j'ai eu? En dessous de 30 euros en tout cas. Ça c'est sûr. Donc déjà, je trouve que j'ai fait une bonne affaire. C'est déjà ça. Et oui, et pour compléter ma collection de Fire Emblem, j'ai trouvé aussi en brocante. J'ai trouvé en brocante l'artbook Fire Emblem Awakening. Et j'ai vu sur le net, il peut être vendu facile une vingtaine d'euros. Après, tout dépend où, hein, peut-être un peu moins ailleurs, mais. Et moi, je l'ai trouvé à 50 centimes. Et il est comme neuf, hein. Il est très très beau. Je l'ai déjà feuilleté. Il est très très beau, vraiment très très beau. Donc voilà, j'en profite quand même pour vous montrer quelques pages. Non, il est vraiment très très sympa. Et bah, je m'y attendais pas en fait parce que j'avais pas encore le jeu. Et je vois l'artbook, bah, je me dis, attends, je me dis, s'il coûte rien, on sait pas, autant le prendre quoi. Et puis quand tu auras le jeu, bah, ça va compléter ta petite collection. Je demande de prix, moi je m'attendais, je sais pas, peut-être quelqu'un qui allait me vendre 5 euros ou même pourquoi pas 10 hein, en brocante. Des fois je suis surpris par des prix assez élevés. Et la femme, elle me dit 50 centimes. Oula, bah alors là, j'ai dit je le prends. J'ai pas hésité. Franchement, j'ai pas hésité, quoi. Parce que franchement, il est vraiment impeccable. Et comme c'était une mère de famille, bah, je pense que le gamin a pas dû le toucher. Voilà, on va pas tout regarder, mais c'est sympa. Des illustrations, des croquis, tout, c'est très sympa. Très très sympa, franchement. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, toujours en Nintendo, Pac-Man sur NES en boîte complet. Voilà. Donc je l'ai eu à 20 euros. Je l'ai eu à 20 euros, c'est un bon prix. Malgré une bonne trace d'usure sur le dos de la boîte. Donc voilà. Voilà. Mais bon, après, d'après. Voilà, apparemment, il serait coté. Il serait coté apparemment facilement au double. Voilà. Il y a des. Bon, c'est toujours pareil. Hein, c'est toujours pareil en fonction du site. C'est. De toute façon, les jeux comme ça. On peut les trouver à n'importe quel prix, quoi. Tu peux très bien l'avoir à. Je suis sûr que tu peux le trouver à guère plus cher que je t'ai payé. Ou. Enfin, il y a encore, je dis ça, j'en sais rien, mais. Après, je suis sûr qu'il y a toujours moyen de le trouver pas trop trop cher, ce titre-là, quoi. Mais après, je suis pas étonné qu'on puisse se voir à 40 euros, 60 euros, tout ça. Donc, apparemment, ce serait la cote. Plutôt dans les 45, 45 euros. D'après le. Bah, d'après quelqu'un que je connais, lui, s'il le vendait en magasin, il le vendrait 45 euros. Voilà. C'est-à-dire que pour lui, s'il n'y avait pas ça derrière, s'il n'y avait pas ça derrière, il le vendrait en magasin 45 euros. Donc, du coup, bah, une personne qui est passée. Une personne qui est passée
que j'ai croisé, quoi, en fait, qui est pas forcément collectionneur, mais bon, il avait des jeux à vendre, en fait. J'ai fait sa connaissance très rapidement, en fait. Et puis, du coup, voilà, apparemment, il savait pas trop combien le vendre. Au début, il voulait le vendre, ben, un peu dans les prix de sa cote, quoi, voire même plus. Mais bon, vu le défaut derrière. Et moi, du coup, je lui ai dit, écoute, moi, je t'en propose 20 euros. Il m'a dit, bah, écoute, ça tombe bien parce que le dernier, il m'en a proposé moins que ça. Donc, il m'a dit, je prends au plus cher. Alors, 20 euros, je vais donner 20 euros. Et puis voilà. Sachant qu'il n'y a que ça comme défaut. Hein. Je vais vous montrer l'intérieur. La documentation est impeccable. La cartouche est nickel. Alors, au début, je me suis dit. Je lui ai dit, écoute, je vais regarder l'état quand même, la cartouche et tout ça. Je lui ai dit, je peux t'en donner 20 euros si l'état me convient. Par contre, je lui ai dit, c'est pas sûr, quoi. Voilà. Donc. Donc, l'étui carton Nintendo plastique, il est nickel. La cartouche, franchement, bah, nickel. Il y a rien à dire, c'est nickel. C'est nickel. Il est en excellent état. Le poster, je l'ai déplié ben, de devant le gars, donc je ne vais pas le refaire là. Je peux vous dire que le poster est nickel. La notice, bon, moi, avec une petite pliure au milieu, mais. Ouais, non, la page principale, légèrement froissée. Mais franchement, non, il n'y a pas de. Il n'y a pas de problème. Hein. Y a pas de problème, franchement, la notice est très très bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, je veux dire, moi je me suis dit 20 euros pour moi ça valait le coup. Donc voilà, tout simplement. Et pourtant, comme je l'ai déjà dit dans les vidéos, je ne suis plus trop boîte carton. Mais bon, là, j'ai trouvé que c'était une jolie occasion, quoi. Bon, ma foi. J'en ai profité. Alors, on termine par le meilleur, Elemental Master. Un autre shoot'em up, mais sur Mega Drive en version japonaise. Attention. Alors, faites gaffe hein, quand même, parce que le jeu là, il est coté plutôt dans les 90 voire 100 euros. Il commence à bien monter. Voilà. Et moi, je l'ai eu pour beaucoup moins que ça. Je l'ai eu en fait à 60. Ouais, non, mais il est vraiment. C'est un très très bon, un shoot'em up, donc en scrolling vertical. Il est très très bon. D'après ce qu'on m'en a dit, parce que moi je n'ai encore jamais touché. Alors je vais quand même l'ouvrir pour vous montrer très rapidement l'état. Alors, on peut constater que la cartouche est vraiment, vraiment nickel. J'ai déjà sorti la cartouche de sa boîte, hein, et je peux vous assurer qu'aussi bien le dos que la face est vraiment nickel. Le sticker est nickel, ne se décolle pas, c'est impeccable. Et la notice, pareil, vraiment. Le jeu, il est limite, il est presque neuf, quoi. C'est vraiment. Il est impeccable quoi. Impeccable. La boîte pareil, la jaquette, il y a pas trop. Il y a rien à dire. Le jeu est en état impeccable. Voilà, bah écoutez, bah, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette énième vidéo. Et ben voilà, donc écoutez, moi je vous dis donc à bientôt. Si on se revoit pas, si je refais pas de vidéo d'ici, bah, si je refais pas de vidéo avant la fin de l'année, je vous souhaite d'avance un joyeux Noël et d'avance tous mes vœux pour la future année. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis au revoir.
et à bientôt. Ciao.